Les Français parlent au français. Un Français dans le monde. L'interview. Allez, nous partons à 4 heures au nord de New York. Des lacs, des rivières. C'est très boisé et c'est pas très connu. Si je vous dis qu'on va aux États-Unis à l'Adirondacks, eh ben vous allez me dire, je ne savais pas que ça existait. C'est aussi pour ça que vous écoutez Stéréo Chic. Bonjour Géraldine. Bonjour Gauthier. Alors toi, tu es une Française. Alors il y a quand même un point commun entre toi et moi. On est tous les deux Lillois. Tu as habité à Villeneuve-d'Ascq, la ville où se trouvent les studios de Stéréo Chic. Tu as 49 ans comme moi. Et on a peut-être été à l'école ensemble d'ailleurs sur ce principe-là. Ah, peut-être, qui sait. Et on va raconter, c'est ça, on va raconter ton histoire. Pourquoi tu es aujourd'hui dans le poumon vert de New York. Pourquoi tu t'es installé là-bas. On rembobine un tout petit peu l'histoire. Histoire de ta vie. Au lycée, ton papa fait de la CB. Et puis, magie de la technologie, il entend des Américains, mais comme il parle pas anglais, il dit « Géraldine, viens ici, viens, et traduis-moi, s'il te plaît. » Parce que toi, tu faisais de l'anglais à l'école. Et c'est comme ça que tu t'es lancé et que tu t'es mis à traduire pour ton papa et en entendant des Américains. Oui, exactement. On entendait très, très bien toute la côte est américaine. Donc, évidemment, lui ne parlant pas un mot d'anglais, bon, ça a été un peu plus que de l'écoute. Après, ça a été « Allez, vas-y, lance-toi. » Lance-toi, parle. Lance un appel, parle. J'aimerais bien savoir d'où ils sont, qui ils sont, ce qu'ils font. Enfin, voilà. Donc, et comme à l'époque, ce n'était pas très courant d'entendre une voix féminine à la radio, donc ça a été vraiment de super communication et vraiment un moyen pour moi de pratiquer la langue anglaise. Et aussi de m'extérioriser un peu, parce que j'étais un petit peu... Un peu timide. L'enfant timide, oui. Alors, on rappelle qu'on est dans un monde où il n'y a pas Internet, il n'y a pas même toutes ces communications. Appeler quelqu'un aux États-Unis, ça coûtait à la minute une fortune. Ah oui, c'est alors bien. Que là, la CB, magie, les ondes arrivaient, et puis tu te retrouvais à parler avec des gens qu'évidemment, tu ne voyais pas. Hein. C'est vraiment la CB. Et puis, quelques temps plus tard, tu vas avoir l'occasion, pendant tes vacances, de partir. Et tu te dis, bah, pourquoi je n'irai pas voir ces gens avec qui j'ai discuté. Et tu pars 3 mois vivre aux États-Unis dans le premier grand voyage de ta vie, en fait. Oui, exactement. Donc, à 20 ans, j'ai réuni mes économies. Et comme, évidemment, les gens avec qui je communiquais, on avait entretenu une correspondance écrite, m'ont dit, bah, écoute, si un jour tu viens aux États-Unis, on t'accueille avec grand plaisir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et franchement, ça a été 3 mois vraiment géniaux. Je me suis baladée. Donc, j'ai atterri près de New York, près de Washington DC, donc je suis allée en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, je suis remontée sur Buffalo, au nord de l'État de New York, là où sont les chutes du Niagara, et tout s'est très très bien passé, les gens étaient vraiment très très accueillants, très gentils, voilà, on a vraiment pu développer cette amitié. Et là, tu découvres les T-Bone, les fast-food, les family restaurants, tout ce qu'il n'y a pas du tout en France encore, parce que c'est une période où le premier McDo à Lille n'est pas encore construit, quoi. Exactement, oui. On avait le Quick, je crois, mais on n'avait pas le McDo où c'était vraiment les prémices, quoi. C'était pas encore très, très établi. Oui, effectivement, et j'ai fait tous mes trajets en bus Greyhound. Donc vraiment, le truc, prendre son billet de bus... aller 4-5 heures sur un bus de voyage, se faire récupérer, repartir. Ouais, c'était vraiment la belle époque. C'est retour vers le futur, quoi. Exactement. Tu reviens en France, il va y avoir une famille, 3 enfants qui ont, lorsque tu décideras de repartir finalement aux États-Unis, 24, 22 et 19 ans, parce que l'histoire avec ton mari se termine en France, tu te retrouves seul, et là, tu vas reprendre contact avec un certain Perry, avec qui tu avais échangé lorsque tu étais allé aux États-Unis. Et magie, finalement, tu vis chez lui. Tu es installé aux États-Unis aujourd'hui, tu as quitté la France. Les enfants sont grands, ils sont restés en France. Et toi, tu vis ta vie dans les forêts américaines. Exactement, oui, effectivement. Je n'avais jamais été dans cette partie du pays. Et franchement, c'est très... à ce moment-là de ma vie, c'est vraiment quelque chose qui me convenait, c'est-à-dire le calme, la nature. J'avais besoin de faire le point sur moi, sur ma vie, sur ce que j'allais devenir, ce que j'avais envie de faire. Et franchement, c'était l'environnement idéal. C'était vraiment très, très ressourçant, très reposant. Ça m'a permis de faire le point et d'avancer. Et donc, nouvelle vie américaine, tu vas réussir à obtenir un visa B2.
puis une carte verte. Pour l'instant, tu as un permis de résidence permanente pour 10 ans, tu l'as eu il n'y a pas longtemps, mais il va falloir résoudre ce problème si tu veux continuer à vivre aux États-Unis. Oui, effectivement. Donc, il y a une option pour la demande de nationalité au bout de 5 ans, je pense. Donc, c'est éventuellement ce que je ferai, ou alors renouveler le permis de résidence permanente. Ça, c'est possible aussi. On s'est connus via Instagram. J'ai vu les photos de ton environnement. Alors là, c'est vraiment les grandes étendues de forêt, les jolis lacs qui étaient en pleine nature. Tu bosses d'ailleurs à ton compte dans des maisons Airbnb. En fait, beaucoup d'Américains, beaucoup de New Yorkais avaient une résidence secondaire et tu as dit que le Covid avait pas mal changé la donne. Beaucoup ont quitté les centres-villes avec des petites surfaces pour finalement s'installer à la campagne. Oui, effectivement. Donc, les gens se sont mis, on va dire littéralement, à acheter des maisons comme des petits pains. Ça partait, les agences immobilières mettaient des annonces en ligne du vendredi. Elles avaient des propositions, 10 propositions du lundi, alors qu'avant, ça prenait des semaines, voire des mois pour vendre une maison. Et effectivement, donc, j'ai vu sur plusieurs groupes Facebook, style Le Bon Coin, tu sais, les groupes locaux, hein, donc des gens qui demandaient des personnes pour pouvoir... donc, ils avaient acheté une maison, voulaient la mettre en location pour amortir le crédit sur la maison, ouais. Et chercher des personnes qui pouvaient faire le nettoyage entre les locations, voire être les yeux et les oreilles en cas de problème. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité au vol et ça marche très très bien. Ta fille a pu venir, mais après, il y a évidemment eu le Covid avec des frontières fermées. Donc, les enfants sont en France. Heureusement qu'il y a Internet aujourd'hui. Heureusement que tu n'en es plus à utiliser la CB. Exactement. C'est beaucoup plus pratique. Bon, faut gérer le décalage horaire. Hein. Il y a juste ça. Mais en général, ça se passe très bien. On arrive à s'appeler en visio. Et voilà, c'est pour ça qu'on arrive aussi à communiquer tous les deux. Qu'est-ce qui te manque de la France? Pas grand chose, certains petits trucs style les yaourts, le fromage, ce que la plupart des expats te diront, c'est mais bon, ici on est dans une région où je suis un petit peu dans un désert alimentaire, faut dire, j'ai pas vraiment tout ce qui est à l'abord des grandes villes du genre Trader Joe's ou Whole Foods et j'ai les petits supermarchés de campagne, mais on a les farmers market, donc on a les marchés toutes les semaines d'été, et sinon on a beaucoup de fermes aussi auxquelles on peut s'abonner, donc ils font des packages, des cajots avec des abonnements de produits frais locaux. Voilà, j'ai un peu de mal à trouver mes mots en français, désolé. Mais en tout cas, tu parles très bien le français, malgré que tu l'utilises, je suppose, très peu, puisque Perry est un Américain. Dernière question, est-ce que tu fais encore de la CB? Non, malheureusement. Donc, mon copain Perry a toujours une radio, mais il est devenu radio amateur, donc il écoute certaines fréquences, mais il ne transmet plus. C'est pas quelque chose... Bon, on est très souvent à l'extérieur, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a poursuivi tous les deux. En tout cas, cette petite maison dans la forêt, elle donne envie et tu vis une vie, à mon avis, agréable en pleine verdure, pourtant pas très loin de New York. Merci d'être rentré en contact avec Stéréo Chic et je sais que tu travailles en écoutant des podcasts de notre radio. Exactement. Très, très, très intéressant de voir les parcours des différents expats. Je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était très, très sympa de discuter avec toi. Et au plaisir de te retrouver sur notre antenne. À bientôt. À bientôt, Gauthier. Merci. Les Français parlent de français.